Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir le quatrième principe du pouvoir des mots. Donc ce principe à lui seul vous permet de communiquer, de rédiger des documents de vente d'une façon totalement différente. Et c'est ce qui va permettre à vos prospects d'arriver naturellement sur le bon de commande de votre produit ou au service et à l'essayer. Donc, ce quatrième principe est extrêmement important. Vous allez le découvrir dans quelques instants. C'est la suite des trois principes du pouvoir des mots. C'est-à-dire, dans les derniers jours, vous avez reçu en vidéo les trois principes du pouvoir des mots avec une vidéo complète qui reprend les 7 principes au total de la chaîne Le Pouvoir des mots. Le but, c'est toujours de vous permettre de déclencher un afflux de vente, c'est-à-dire vous présenter votre produit ou votre service, que ce soit à travers une vidéo de vente, à travers une conférence en ligne, à travers une série de plusieurs emails, et vos prospects qualifiés de plus en plus passent à l'action et deviennent clients de vos produits et de vos services. Donc ce quatrième principe, vraiment, il est extrêmement simple et pourtant je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur et du coup ils n'utilisent pas le pouvoir des mots. En fait, ils se sabotent eux-mêmes sans le vouloir juste parce qu'ils n'appliquent pas ce quatrième principe et qu'ils ne le connaissent pas. Donc c'est tout simple, considérez, et c'est très très important, que les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille. Au fond d'eux, vous comme moi, nous rencontrons des personnes qui sont parfois très désagréables, parfois odieuses, parfois très en colère, d'autres qui sont très gentilles, très sympas, très accueillantes. Et dans tous les cas, dans la majorité des cas, bien sûr, sauf les fous et les psychopathes, hein, en tout cas, dans la majorité des cas, vos prospects, les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille. Alors, qu'est-ce que ça signifie ça pour votre script de vente, en fait, pour votre document de vente, pour votre vidéo, pour votre conférence en ligne, pour vos emails? Eh bien, ça veut tout simplement dire que la vente est déjà faite. C'est-à-dire, quand vous rédigez, vous préparez votre document de vente, que ce soit pour une conférence, une vidéo ou des emails, partez du principe que la vente est déjà faite parce que vous avez un produit extraordinaire, les gens, vos prospects qualifiés en face à qui vous vous adressez, ils veulent des bonnes choses pour eux, c'est-à-dire ils ont un problème qui leur prend aux tripes, qui les angoisse toute la journée, qui les empêche de dormir, et vous, vous êtes un peu comme le Messie, vous avez la solution avec votre produit ou votre service, vous vendez une solution qui leur permette à vos prospects qualifiés de supprimer ce problème-là de leur vie et de passer à la suite, d'accéder à ce qu'ils désiraient depuis si longtemps. Donc ça dépend évidemment de votre activité, des produits, de la solution que vous vendez. En tout cas, en considérant comme fait que les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille, vous partez du principe que la vente est déjà faite parce que vous vous adressez à un prospect qualifié. C'est-à-dire, c'est une personne qui est en plein milieu du désert, elle meurt de soif et son problème, là, le cas échéant, c'est de boire, sinon elle va pas survivre. Et vous avez de l'eau, c'est-à-dire vos connaissances, la solution que vous apportez avec votre produit et votre service. Donc, la vente est déjà faite, votre prospect qualifié, il veut s'en sortir, il veut accéder à la solution que vous proposez. Je ne dis pas qu'il veut utiliser votre produit, je dis qu'il veut accéder à la solution que vous proposez. C'est-à-dire, au milieu du désert, le prospect, il veut boire. Pas forcément de votre eau. Par contre, c'est clair qu'il veut boire, il a soif, énormément soif, il veut boire. Donc, l'objectif, c'est que vous partez du principe qu'il veut boire. Donc, la vente est déjà faite, il veut votre solution, il la désire absolument. Et du coup, vous allez présenter vos textes de vente complètement différemment. Au lieu de dire, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer ci-dessous pour acheter mon produit ou mon service. Non, vous direz, écoutez, aujourd'hui, vous avez le choix, vous pouvez accéder à cette nouvelle vie, dans votre maison. Vous pouvez vivre dans votre maison idéale dans les 6 prochains mois. Pour cela, il suffit simplement de renseigner le bon de commande qui est ci-dessous, de valider votre bon d'essai sans risque. Vous voyez la différence? Dans un cas, vous,
En faisant comme la majorité des entrepreneurs qui n'utilisent pas le pouvoir des mots, vous faites un si à la condition que vous en ayez avis, à la condition que je vous ai convaincu, à la condition que vous avez envie d'acheter. Forcément, personne n'a envie d'acheter, enfin très peu de personnes. Du coup, vous perdez tous vos potentiels de vente. Et l'autre côté, l'autre cas où vous appliquez le pouvoir des mots, c'est-à-dire ce quatrième principe, les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille. C'est-à-dire, vous partez du principe que la vente est déjà faite, du coup, c'est une simple formalité. Vous dites, bah, c'est simple, si dans les 6 prochains mois, vous voulez vivre dans la maison de vos rêves, donc c'est le cas si vous êtes architecte, vous voulez inviter vos amis sur votre magnifique terrasse orientée plein sud, vous baigner dans la piscine, passer du temps avec votre femme dans votre jacuzzi, bah, c'est très simple, il suffit de renseigner le formulaire juste en dessous de cette vidéo ou juste en dessous de cette page de ce texte. Vous validez ensuite, vous renseignez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, vos coordonnées, vous validez votre bon d'essai sans risque et ça lance le processus. Une personne de mon équipe va vous recontacter pour bah, savoir quel type de maison idéale vous correspond. Il va vous proposer plusieurs plans et hop, voilà, ça devient naturel. La vente est déjà faite. Donc, ça me rappelle en fait. La vente de ma première formation, en fait, la première vente que j'ai faite, vous auriez vu ma vidéo de vente, franchement, elle était affreuse. Le son était vraiment difficilement audible. Mais la vidéo, il n'y avait pas de lumière, c'était dans un autre appartement, avec la lumière du jour, du coup, le soleil bougeait, la lumière se masquait, quoi. Le son était pris un peu bah, avec les outils du bord, quoi, si je puis dire. Donc, c'était un micro pas terrible sur mon écran d'ordinateur, enfin branché à mon ordinateur. Et parce que j'y croyais fermement, je savais que mon produit et mon service, donc c'était dans le développement informatique, j'étais dans une ancienne vie plutôt développeur informatique. Et du coup, j'avais conçu une méthode avec une formation et j'étais convaincu de la qualité de cette formation, de cette méthode qui permettait de créer des applications 2 à 3 fois plus rapidement et sans se prendre la tête avec la syntaxe, à tout apprendre par cœur, quoi. En gros, du coup, bah, j'ai appliqué une formation, j'ai acheté une formation marketing qui m'enseignait des stratégies marketing et c'est tout, quoi. Après, je me suis lancé, donc j'ai repris un modèle de script de vente qui était fourni avec la formation, qu'il fallait l'adapter et tout. Donc j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, j'utilisais pas le pouvoir des mots. Je me suis lancé, j'ai appliqué toutes les stratégies de cette formation marketing bah, pour aller plus vite en fait, pour utiliser tous bah, les modèles de vente qu'ils donnaient. Et j'ai tourné la vidéo avec un smartphone, c'était vraiment un vieux smartphone Motorola. Et j'y croyais dur comme fer. Et du coup, j'ai fait une vente. Vous auriez vu cette vidéo, j'en ai honte. En fait, j'en ai honte. Je l'ai supprimée. Elle est plus sur YouTube. Elle est plus sur Internet, cette vidéo. Elle est encore sur mon disque dur. J'ai un ami qui l'a aussi vue parce qu'il m'avait donné quelques conseils justement après le tournage de cette vidéo. En tout cas, en partant, en appliquant ce quatrième principe du pouvoir des mots, sans le savoir, je ne savais même pas que c'était un principe du pouvoir des mots, que les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille, que la vente est déjà faite, une vidéo vraiment imparfaite, un son imparfait, un script de vente vraiment imparfait, ça m'a permis de faire une première vente. Ça valait 700 € et c'est ce qui m'a bah, lancé sur le web, sur Internet. Donc, voilà, à vous de jouer, appliquez vraiment ce principe. Les gens veulent des bonnes choses pour eux et leur famille avec votre produit de qualité, vos services de qualité. Partez du principe tout simplement que la vente est déjà faite. Rédigez votre script de vente et allez-y, lancez-vous. Appliquez ce quatrième principe du pouvoir des mots. Vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir, c'est génial quoi, j'adore ce principe-là. C'est pour ça que je le partage avec vous, car il va vraiment vous aider. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, ben c'est très simple, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook, directement à votre adresse mail, vous recevrez un principe du pouvoir des mots à appliquer dans votre activité, pour votre produit, pour vos produits, pour vos services. Et ça va vous permettre, grâce au pouvoir des mots, bah, de diffuser vos produits, vos services, de créer votre autoroute du succès. C'est-à-dire, vous aurez de plus en plus de visiteurs qui deviennent vos prospects, qui ensuite deviennent vos clients, qui ensuite deviennent des clients à répétition,
tout ça naturellement grâce au pouvoir des mots. Et en même temps, je vais partager avec vous la machine à convertir. Donc là, c'est avec mon associé Fabrice et toute notre équipe. Elle est pratiquement finie. D'ailleurs, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont testé la machine à convertir. Ils adorent, ils en sont pleinement satisfaits. Déjà, il y a plusieurs éléments. Il y a un premier élément que vous pouvez essayer gratuitement avec la machine à convertir. Ça vous apporte le pouvoir des mots sur un plateau. En fait, vous n'avez même plus besoin de vous casser la tête, de partir d'une page blanche, dire qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je vais mettre, je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi écrire. Non, la machine à convertir est là. Elle vous pose des questions très précises. Vous faites des réponses en fonction de votre produit ou votre service, et derrière il y a une moulinette qui se transforme en système, le système machine à convertir, qui utilise le pouvoir des mots, qui utilise vos réponses et qui vous donne un document de vente pour votre vidéo, votre conférence en ligne, pour créer tout votre tunnel de vente quoi finalement. Donc pour profiter de la machine à convertir, il n'y a qu'une solution pour l'instant aujourd'hui, c'est de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots. Salut !